Eh bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne GeekTech. Alors pour cette vidéo ce serait en fait une vidéo tout simplement pour vous expliquer concernant le bot de Pokémon Go. Je pense que voilà, tout le monde a constaté que il y a eu beaucoup de problèmes. Et ceux qui ne le savent pas, parce que j'ai eu plusieurs questions concernant le bot qui ne fonctionne pas correctement par rapport à certains comptes. Et voilà, tout simplement, c'est parce que Niantic a déjà mis en fait les bots en question, ou même toute application autre utilisant le jeu Pokémon Go, de façon de les bloquer en fait, et de pouvoir même les bannir au niveau du compte de manière complète. Voilà. Je m'excuse en fait pour la voix, j'ai attrapé en fait un coup de froid au niveau de la gorge, mais voilà, je me permets, j'espère que vous m'entendez très très bien, je vais essayer de voir par la suite. Et voilà, donc tout simplement tous les bots actuellement sont inutilisables, et même si vous les utilisez, c'est à vos risques et périls, parce que voilà, donc il y a des risques actuellement à plus que 90% d'être ban complètement et de ne plus jamais récupérer le compte que vous utilisez. Il y a eu plusieurs questions et plusieurs réponses concernant cela. Donc déjà, vous connaissez le bot que je vous ai déjà proposé auparavant, celui de AR1i. Tout simplement, il a bloqué, voilà, c'est bon, on a fermé la boutique. Et même en fait au niveau de son Twitter, on voit bien que il mentionne tout simplement que voilà, il y a plusieurs problèmes de ban, et voilà, il n'y a pas possibilité en fait d'utiliser pour l'instant le bot. Peut-être probablement prochainement, voilà, il travaille en fait dessus apparemment, mais rien n'est encore certain. On voit bien, ça fait 7 heures qu'il a tweeté l'information, et voilà, donc je tenais à vous informer sur ce point. N'hésitez surtout pas à le mentionner à tous vos proches qui utilisent les mêmes méthodes, voilà, actuellement. Je m'excuse vraiment du fait que je vous ai pas en fait parlé de cela, puisque voilà, je pense que si vous regardez la dernière vidéo, bien sûr, mis à part celle-ci, vous remarquerez que j'étais en voyage, je viens tout juste d'entrer, voilà, hier, tout simplement, voilà, le temps de se reposer, de reprendre le souffle, comme on dit, et voilà, je commence à remettre les mises à jour pour vous informer, bien sûr, c'est ce que je fais actuellement. Eh bien, j'espère que vous n'avez pas été banni encore, et si ce n'est pas le cas, vous avez toujours la chance de pouvoir arrêter, remettre votre voilà, utilisation de jeu normale, en attendant qu'on puisse avoir de nouvelles possibilités. Voilà tout, j'espère que j'étais clair au niveau des explications. N'hésitez surtout pas à poser des questions si vous en avez, et de mon côté, je n'hésiterai pas de vous répondre et de vous donner s'il y a des nouveautés au niveau de voilà, de tout ce qui est voilà, mise à jour et nouveauté au niveau de ce point-là. Sur ce, je vous dis une excellente journée et portez-vous bien.